Django di Marza a pris le galon. On est Oh même là là, parti avec d'Angomat Zalcoré. aussi. Oui, et déjà, Décidément. et puis Dynamique d'Avez aussi qui s'est élancé au galop, alors que Datimara a parti bien au trot et se retrouve nettement en tête devant le numéro 3 Diamond de Covey. Avec en troisième position, on va retrouver le numéro 7 DS des Champs, enfin en quatrième position, puisque le troisième rang est occupé par le numéro 10, le grandissime favori, Gonzalez Greenwood. Allez, le premier tournant avec en tête Datimara, Diamond Covey deuxième, Gonzalez Gridou les troisième, DSD Chaumet quatrième, devant également Joe de la Fenette avec le long de la corde d'Alcoré, le numéro 9, le 4 Dynamique d'Avez a été disqualifié. On rappellera que Dambomat a complètement manqué son départ, tout comme Django di Marza, le numéro 5. Oui, et les concurrents qui vont aborder la ligne opposée avec toujours Datimara Alas qui a le meilleur flanqué à son extérieur du numéro 3 Diamond Covey. On a 6 chevaux au commandement avec le numéro 7 sur une deuxième ligne DS des Chaumes, flanqué du favori le 10 Gonzalez Greenwood. On vient ensuite avec Dalcoré, le numéro 9 accompagné à son extérieur de Joe de la Fenette, le 6. Datimara, Diamond Covey à son extérieur, sur un dos, une faute du numéro 6. Joe de la Fenette qui disparaît, c'est un cheval qui reste perfectible, qui n'est pas toujours très simple. DSD Chaumet 3ème dans le sillage de Datimara, la petite sœur d'Athènes Arco qui effectue sa réapparition aujourd'hui. Gonzalez Greenwood, le numéro 10, est en 4ème position. Attention également au numéro 9, Dalcoré qui a un parcours sage en dedans. Les concurrents qui abordent le tournoi final, Datimara toujours le meilleur, c'est le numéro 1 flanqué à son extérieur du 3 Diamond Covey. Côté corde, on va retrouver le 7 DSD Chaume avec le numéro 10 Gonzalez Greenwood précédent d'Alcoire et le numéro 9 Dambomat, le 8 à recoller au peloton tout de même, ainsi que le numéro 5 Django du Marza qui a pris leur départ catastrophe. On rejoint maintenant le groupe de tête. Oui, ils vont peut-être payer néanmoins leur effort hein, pour finir. Pour le moment, personne ne passe à l'offensive avec Datimara qui contrôle avec Henri Turetini à son extérieur. Diamant de Covey, DSD Chaumet 3ème. Gonzalez Greenwood est à son extérieur. Devant Dambomat avec Django di Marza qui essaie de fournir un effort à l'extérieur. Alors que Dalcoré ronge son frein le long de la corde. Entrée bientôt de la dernière ligne droite avec Datimara en tête. DSD Chaumet, Diamant de Covey et Gonzalez Greenwood qui est décalé maintenant par Marcel Imbert. Faute de Django di Marza. Alors que Dambomat essaie de se rapprocher à l'extérieur. La ligne droite bientôt avec Datimara, DSD Chaume qui vient l'attaquer, Gonzalez Greenwood qui est là avec Dalcoury qui essaie de venir à l'extérieur devant encore Dambomat à 200 mètres de l'arrivée avec Datimara qui va tenter de le faire de bout en bout face à DSD Chaume avec Gonzalez Greenwood qui plafonne au contraire de Dalcoury à l'extérieur avec Dambomat. Datimara qui a toujours le meilleur face à DSD Chaume et Dalcoury à l'extérieur qui est lancé maintenant qui termine très vite. Datimara, Dalcoury, c'est pointu, la troisième place pour DSD Chaume et la quatrième pour le numéro 8 Dambomat. Il y aura photo à l'arrivée de cette épreuve entre